Ah, c'est parti. Hop, je mets ça là. Commandant Drangan, lit le vaisseau Cutlass Black est prêt à décoller. Bien reçu. On va sur un canal à part? Oui, si tu veux, mon On ami. change de fréquence. AT, par ici. Ah, est-ce que... ah merde, t'es mute. Ah, fais chier. Attends, je vais arranger ça. Putain. Permission. Merde, c'est chiant. Attends, t'es Seigneur Dragon. Attends, j'ai démute le Seigneur Dragon. Voilà, c'est bon, ça devrait aider. Permission de parler. Permission accordée. Ah. C'est accordé. Affirmatif. Pouvez me répéter le numéro du hangar, s'il vous plaît? Pouvez-vous me répéter le numéro du hangar, s'il vous plaît? Hangar numéro 03, hangar numéro 03. Bien reçu, bien reçu. Je suis connecté en plus. Ah oui, ça marche. Ça rend bien ou pas? Ça Ouais, fait est-ce que un vous... petit Ouais, truc ça fait... immersif ou pas? Ah ouais, ça fait radio, quoi. Ouais, c'est ça, oui. On a quand même la gueule dans des casques, hein. Fermeture automatique des portes. Porte fermée. Dans ce cas, décollage. Le dragon est dans sa boîte. Je répète, le dragon est dans sa boîte. On va sur microcheck. Chargement du quantum, oui. Putain, on va avoir froid. Parce que t'as pris quoi comme J'ai pris une combi? armure classique, enfin une armure un torse lourd, Moi mais j'ai pris celle que j'avais, c'est-à-dire celle de Seigneur Dragon, alors je sais pas ce qu'elle vaut. Je sais pas ce qu'elle vaut dans la neige. Tiens, on se fait Déjà. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On engage le combat ou bien? Bah, s'il y a personne, on n'a qu'à sauter, on n'a pas de temps à perdre. C'est pas fou. Ah putain, attention! Waouh! Oh, putain, il est apparu devant moi, ce con! Ouais, j'ai vu, C'était quoi ça? C'était une carcasse de... J'ai cru voir une carcasse de Caterpillar. Elle est là, ouais, regarde. Oh! J'ai un propulseur qui a pété. Ah, On merde! va devoir réparer. Attends. C'est quoi cette carcasse? Mayday! Mayday! Faut pas rigoler par contre. Pour la vidéo, ça le fait pas. Mayday, non, ça... mayday. Ça vous fait rire. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va voir. Le Cutlass avec son commandant Kindred et commandant Rangoli, nous avons rencontré un obstacle sur notre trajectoire. Nous signalons la carcasse d'un caterpillar bien endommagé. Oui, je vois bien, oui. Il va beaucoup moins bien marcher, je pense. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir, on fait les curieux ou bien? Bah franchement, c'est pas tous les jours qu'on éclate une Bah carcasse. c'est la première fois que ça m'arrive, ça, moi. Bah on va aller l'explorer, Allez. Monsieur Kindled. Allez, c'est parti. Allons explorer. De toute façon, il n'y a On est personne qui va venir fous. nous faire chier, ça c'est l'avantage. Non, c'est vrai. Bon, par contre, votre appareil est Oui. gravement endommagé.
monsieur. Ouais, non, il va falloir réparer là, c'est sûr. Oui, il était tout neuf, il sortait du garage. Attends. Oh, ça fume là. Oh, ça sent le cramé. Oh. Pareil. Ah, ça sent le plastique brûlé. C'est horrible. Ah, c'est. Ah, c'est la clim qui merde. Il a dû y avoir un composant qui a grillé. Oh bah non, il y a quand même un. Il y a quand même un propulseur qui a pris et comme les câbles sont apparents chez Drake, regardez, regardez forcément. Ah, carrément, ouais. Oh, mais quelle expédition, mais quelle expédition! Là, c'est improvisé, là. Oups. Allons-y. Alors. Je referme ou bien? On va pas venir nous faire chier, là. Jette un coup d'œil. Y'a peut-être du monde, hein, donc. Commandant Kindred en approche. Je vais m'introduire dans la partie avant du Caterpillar. Sortez pas votre arme. On sait pas ce qu'il y a dedans, donc ça serait peut-être un peu là. Vous croyez qu'il y a un risque? Bienvenue dans la vraie vie. Et du conteneur là-dedans. Il est où le cul de tête? Ça passe pas par là. Ça passe pas. Ça va aller en tout cas. C'est bloqué là. Hein, si je regarde par l'extérieur. Oh putain. Il y a des énormes conteneurs orange, j'en ai jamais vu comme ça. Pour info, c'est ouvert à l'avant. Bien reçu, bien reçu. Ça a déjà été pillé, hein? Il semblerait, oui. Pas de survivants pour l'instant. Ni de cadavres d'ailleurs. C'est pas évident d'évoluer là-dedans. Ouais, non. C'est bloqué. C'est RAS. Ouais, RAS. Change de zone d'exploration. Répétez la communication. Il n'y en a pas eu. Comme disait mon... Cela semble tout vide. Comme disait feu mon grand-père, quand tu n'as rien à dire, bah ferme-la.
puisse passer par là. Ouais, bon bah c'est race. Hein. C'est la masse du vaisseau qui a dû nous sortir de, du mode quantum. On va peut-être rejoindre le poste de pilotage. Je vais aller voir ça depuis l'extérieur. Aucune trace du poste de pilotage de mon côté. Pour info, je suis à l'extérieur. On est devant le dock où le poste de pilotage est accroché, la navette a dû être décrochée. Qui aurait pu plaire au commandant ennemi. Affirmatif, je pense aussi. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez trouvé le poste de pilotage ? Non, la nacelle de pilotage a dû être éjectée et elle n'est plus présente sur le vaisseau. Silencieux, un problème micro? Ah, peut-être. Allô? Oui, oui, reçu. Ok. Bah, j'ai dû me tromper de fréquence quand j'ai utilisé l'autre fréquence, vous m'entendez pas. Ok, reçu. Vous m'entendez là? Non. Bon, ça marche pas. Comme je vous disais, vous n'avez pas dû recevoir, c'est une nacelle qui se décroche. Okay. Je pense qu'il a dû être abandonné le reste de la carcasse. Ils ont dû s'éjecter. On voit le. Ok. On le voit à l'avant, le dock. Le docking. Oui, il y a le sas de ce côté, c'est ça? Ouais, ouais, oui. Ici, là. L'affirmatif, ça vient ici normalement. Tout s'explique. Les survivants sont peut-être partis avec ce morceau. Il a été coupé en deux net, hein. Bon, je propose un retour au vaisseau. Oui, celui-là aussi il a su. Oh, les avaries. Ça va vous coûter cher en. Hein. Oh là là. Je vais être obligé de faire péter le code EVI. Non mais on est assuré là, c'est un accident, je vais voir. On va faire notre rapport auprès de l'advocacy, on sera peut-être remboursé avec un peu de chance. Chouette, c'est une bonne nouvelle. Ah, si on écrit un bon rapport, ça devrait le faire. Démarrage des moteurs. On peut réparer un Michelin comme ça, ça nous évitera de faire demi-tour. Ouais, sur la route, oui. Quantum n'est pas abîmé. Ouais.
Après, je vous rappelle que c'est un cutlass, c'est normal que ce soit un peu abîmé. Hein. Je n'ai pas entendu la fin de votre phrase. j'ai rien dit. Je disais que c'est du matériel soviétique, c'est normal que ce soit un peu défectueux. On entend bien le moteur. Formidable. On va bien pouvoir faire pendant tout ce temps. Y'a pas de jacuzzi dans ce vaisseau? Ah non, pas vraiment, on n'est pas dans 890. Dans le 600 ou dans le même, dans la constellation Phoenix, y'en a un aussi. Ouais, c'est exact. Peut-être que l'eau est plus chaude. Peut-être. Ah oui, on voit bien qu'il manque un bout sur le plan. Oui, pas que sur le plan. Oh là là, il sortait du garage, c'est pas dommage. Je vais regarder si on nous a envoyé la mission. Ah. Peut-être pas tout de suite encore, peut-être un peu trop loin. On peut peut-être déjà prendre signé pour le call to arm, qu'en pensez-vous? Ouais. Fugitive recovery certification. Ah. Je vois comme un espèce de gros nuage en approche. Nous approchons de nickel. Ah bah oui. En plein processus de cooldown, ah, ça y est, c'est terminé. Nous approchons de Shallow Frontier Station. J'espère que les mécaniciens sont pas encore en grève. J'espère aussi. Ah, hier, durant toute notre journée de travail, j'ai pu constater qu'il n'y avait pas eu de grève. Hein.
Ah bon? Non, j'ai pu réparer, ravitailler comme il fallait. Oh, sympa. Ça change. Maudit ceinturien. Il y a bien des terraniens dans l'eau, non? Probablement, Nous avons un contact. Un contact amical, dirons-nous. non hostile en tout cas. Il s'agit d'un Drake Herald, certainement en mission de transport Ah. d'informations. D'informations sensibles. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh Oh là là là, là. qu'est-ce qui vous arrive, vous avez... Oh là, Oh oh là là. là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Défaillance moteur. Il faut vite que je me pose là. Il ne répond plus là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il n'y a plus rien qui répond. Et si vous coupez tout le jus là? Maintenant! Ah, ça y est. Ouf! C'était compliqué là. Oui. Je pense que c'est dû à la zone atmosphérique à l'intérieur du hangar. Ah d'accord, ok. C'est une ventilation trop forte qui a perturbé les Faut dire qu'on a un capteurs. propulseur en moins, donc Je ce fut très délicat. pense que c'est dû à ça plutôt. Bon, allez, je contacte les mécaniciens. Ah. Allez. On y croit. C'est bon, ils ont reçu la Ah. commande. Allez mes braves, faites votre travail. Ils sont rapides. Il y a de gros problèmes au niveau des écrans de contrôle dans la tourelle, hein. Comment cela? Ah bah, ils ont tendance à disparaître, noircir, ça vibre, Ah. ça c'est. Attends, je vais mettre un petit Yeah. coup dedans pour voir. Non, non, ça change. Ah si, ça a marché. Ah non, non. Impeccable. Ah mais non, même pas. Ça Non. suffit pas. Non, ça suffit pas. Pourtant c'est Drake, on peut taper dessus normalement, il n'y a pas de problème. Allez, demande de décollage. Les réparations ont été effectuées, le plein a été effectué également. On a les boucliers chargés. C'est opérationnel. J'ai programmé la route jusqu'à Microtech. On est pareil. Décollage. Ça va bien mieux quand c'est réparé. Oui, j'imagine, ouais.
4 millions de kilomètres. Ça devrait être rapide. Oh, je vois la boule qui s'agrandit là. Ça va devenir une grosse boule. Oh. Ok, super, on est arrivé en entier. Ça a failli ne pas se passer comme ça. Voyons si on l'a la mission. Oui. Vous avez le contrat? Je suis pas sûr d'avoir la réputation nécessaire pour ici pour avoir. Je vais regarder. Je consulte ma mobilias. Et égal moniteur détecté. Ah, j'ai pas pris le cultoarm. Ah. Ah non. Ah, c'est bon. Le cultoarm, mobilias fonctionne pas. Ah, il y a des beacons. Ah, il y a des beacons ici. Hmm. On n'est pas venu là pour ça. Security, contracteur, évaluation. Moi j'ai une évaluation à 15 000. Non. J'ai que ça. Je vais peut-être faire un saut sur Port Wrestler. Peut-être que le réseau de communication est différent là-bas, on aura peut-être accès à ce type de mission. Mmh. Et Port Wrestler. Ah, il crête à 256 000. Est-ce que ça n'est pas un peu ambitieux avec un Cutlass Drake, Cutlass Black? Je pense, oui. Même si l'ambition, c'est pas quelque chose qui nous fait défaut. Mais là, ça serait de la folie. Ah, il y en a encore une à 218 000. Oh putain. Pour le coup, c'est différent. Hein. Ambition, oui, folie, pas tout à fait. Ah. Ah oui, tu passes par New Babbage pour faire. Ah, oui. Ok, oui, Port Wrestler. Oui. Port Wrestler est juste là, c'est magnifique, d'ici. Et voilà, on va se mettre en petit, faire une petite pause, consulter les augures, le mobulas, on va sacrifier un poulet. Oui. Ah, c'est joli, ils sont jolis les nuages ici, ils sont... Ah, c'est beaucoup plus beau que sur que Hearthstone. Hearthstone, c'est sale. Oh, cette planète. Hearthstone, on a des nuages noirs, quoi. C'est de toute beauté. Bienvenue sur Nuage Simulator. Ok, j'ai. Nous avons 3 colis à récupérer près du Ghost Hollow. C'est un. Reclaimer qui s'est écrasé sur Microtech.
des colis contenant des substances non décrites, d'ailleurs, dans le rapport. En général, c'est pas bon signe. Non. Je partage avec vous. Mission légale ? C'est une mission qu'il faut pas ébruiter. D'accord. Pour ramasser des choses tombées du camion. Quoi. Ah, j'ai un contact. Ouais, en même temps, nous sommes près de. Oui, oui c'est Port Tressler. Les contacts ne manquent pas. On a 496 km à faire. Super, j'aurais dû prendre ma radio. J'ai venu me croiser. Je passe sur un canal sécurisé. Est-ce que vous me recevez? 5-5 forêts claires et vous? Je répète, est-ce que vous me recevez? Attends, je vais me connecter sur. Ah, là, je suis sur le cutlass, attends, je suis ça. Allez, vous me recevez? Et c'est radio. Ah, et c'est radio, et c'est radio. Non, je reçois, mais moi je peux pas émettre. Oh, c'est une catastrophe. C'est embêtant. Ça doit être dû à notre dernier accrochage. Je pense aussi, oui. Bon, du coup, je reviens sur le canal normal. Le commun. On est en train d'avancer là, la vitesse. La... Ah, cette... oui. Même si vous avez l'impression qu'on n'avance pas, on avance. Ah bon, d'accord. Ouais, on a fait 95 km là déjà. On est à... Notre vitesse de croisière est de 1113 mètres secondes. Vous avez la possibilité de voir où se trouve le holo. Si vous regardez en face, là, je vais tirer. Ça fait comme une trompe d'éléphant. Oui, ah, mais d'accord. Alors, une trompe d'éléphant un peu raide, non? Oui. Alors, trompe d'éléphant et en dessous comme une corne, une petite corne. Oui. Donc ça me fait penser à ça, c'est mon moyen mnémotechnique pour me rappeler où ça se trouve. D'accord. Il y a un nuage gris au-dessus, à niveau de la tête. Oui, et donc c'est à la pointe droite du nuage gris que ouais, c'est un bon ennemi, effectivement. En fait, on peut revenir sur le site quand on veut, quand on sait ça. Depuis l'OM3. Allez, plus de 320 km. Purée. Diantre. Diantre. Je me rends compte déjà que la taille de cette trompe a augmenté. Oui. Si on est dans une zone colorée, on a un peu de chance, il fera pas trop froid. Oui. Oh. Oh, j'ai la digestion de mon bœuf séché qui me fait piquer un peu du nez. Ah, c'est normal, il y a un petit coup de pompe pendant le trajet. Ah ouais, ah, putain. Et je peux pas aller plus vite. Ah bah non. Je suis à fond là. Ah, normalement, durant ces longs trajets, on se raconte des blagues à Toto. Allez-y. J'en ai pas là.
J'en ai pas, merde. C'est vrai, on va avoir un petit livret de blagues. Peux-tu livrer des blagues de Gantoum? C'est ça, pour occuper les trajets. C'est pas con. Et les longues nuits d'hiver. Sur Microtech. Allez, 200 bornes. C'est vrai que c'est perturbant pour nous les travailleurs de l'espace, c'est que pour nous il n'y a pas vraiment de saison, il n'y a pas vraiment de jour ni de nuit. C'est vrai. Mais quand on se déplace tout le temps. Quand on veut pas de la nuit, il suffit de passer côté éclairé. Voilà, on prend notre vaisseau, on crame du carburant, on y est. Ok, 168 bornes. Ils ont profité pour prendre des clichés? Pas du tout, pas du tout. Ah, mon appareil photo déconne, hein. Ah. J'ai le déclencheur qui fonctionne plus et du coup, bah, quand je veux prendre un cliché, bah... Ça marche pas, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas grave, je filme un peu, je suis le vaisseau avec un drone. Ah, on rentre dans l'atmosphère. On dirait l'autre, t'enflamme pas, deviens un dragon. C'est ça. Si t'en as dans le caleçon. 80 km. Je commence à réduire l'allure. Ça freine plutôt pas mal. Excusez-moi. Ça va, on a beau temps. Ah, je vois une espèce de structure au loin. C'est ça. Au moins que c'était mon imagination qui me détourne. Là, il y a une espèce de contact fantôme. Ah, là, c'est bon. Je crois qu'on voit, j'ai vu quelque chose. Par ici? C'est par là? C'est là, ouais. On voit Ah la oui, traînée du oui. crash derrière. La traînée, je pensais que vous parliez d'une femme. Non. Il n'y a pas de traînée ici. Enfin, peut-être en bas, il y en a peut-être une qui nous attend. Mais... Moyennant Bon, oui. finance, elle pourrait nous dévoiler ses charmes. Il y a peut-être un coin pour se poser par là. Non, il y a des cailloux, ça va faire chier. Par là, là, il y a une plate.
sais pas si c'est plat, mais... Donc par ici, sur le côté de la gauche. Je vois pas. Gauche. Au pied de la montagne, là, il y a une plage, il y a un endroit où il y a pas beaucoup. Ah, là-bas. Là, là. Là. Où donc? Oh là, là, là-bas, là-bas, là, là-bas. Je peux pas t'indiquer. Si, si. Ici, par là, là. Refait, refait. Ah, là-bas au fond, ok. Il a l'air d'avoir une place. Ça peut le faire. Parfait. Ouais, alors attention, il peut y avoir des cibles, on est proche du... Ah oui. Il y a personne autour. Pour l'instant, je vois personne. Parce qu'on va, on risque de se faire tirer dessus en entrée de jeu. D'accord. Oui, ça a été aménagé. Oui. Ok. Des personnes ont pris possession des lieux. Et elles ne sont pas forcément bien intentionnées. Ok, je suis paré au combat. Hop. Pareil. Attends, je vais regarder si j'ai bien la mission de... accepter. Track. Ok. C'est parti. Je progresse avec attention. Alors... est-ce qu'il y a quelque chose en vue d'ici? Bon. Ouais, ok. C'est bon, on avance. Il devrait y avoir un paquet indiqué sur notre GPS un peu plus... 203, j'ai les 3. Ils sont tous à 200. Oui. Ouais, j'ai les 3, ouais. Un paquet. Y a pas d'hostile? J'en vois pas, en tout cas. Ah, j'ai l'espèce de bug. Il fait moins 9 degrés. On avance. Ouais. On se dirige vers lequel le 376 par exemple. Ouais. Tu veux pas sécuriser avant de ramener les paquets? Si possible. Ça c'est peut-être plus safe. Ok. Bon. Parce que si on a un paquet dans les mains, on se retrouve face à un hostile, on sera pas bien. C'est vrai. Allô, allô. Oui. Vous faites quoi là du coup? Nous sommes partis en mission. Sur Microtech. Sur une Microtech, oui. Ça faisait longtemps que nous n'étions pas retrouvés avec ce cher Dragon Suprême en duo, en pleine mission. Bon, pour l'instant. Ça a l'air RAS, hein, pour l'instant. Je suis sûr que ces voyants vont être tous éteints à l'intérieur. Ah, ça se trouve, ils sont en train de manger. Oui, c'est quelle heure là? C'est l'heure? Peut-être. On va les nourrir à coups de plomb. Vous êtes en PVP là, plutôt? Négatif. Mission sol, cher ami. J'aurais dû prendre un viseur réflexe. Ah. Quand j'ai un bug. Ah, c'est mon armure lourde, je pense qu'il fait ça. Quand je vise, des fois j'ai un. Vous avez un quoi? J'ai quelque chose qui gêne ma visée. Ah.
Ah non, non c'est bon. Bon. Je m'apprête à pénétrer. Pénétrer premièrement, s'il y a une échelle là, pardon, non? Ah, c'est bon. Apparemment, Steraès de ce côté. Ils ont rien laissé. Pas de valeur. Si, une caisse. Bien, moi je vous abandonne, on m'appelle pour une autre mission. Très bien, cher ami. À plus tard. À plus tard. S'il y en a un qui monte à l'échelle, il se prend une tête. Justement, tu voulais pas Un viseur réflexe pour un l'intérieur. viseur. Alors Ah là, ouais. je sais pas si le Omarov 16X passe sur la. 16. Parce que moi j'ai un x4 là déjà. Ouais. Et bah attends, je te laisse la place. Ah, c'est rouge, loot. Peut-être attendre un moment. Port close peut-être. Ah non, grab. Non, ça marche pas. Comment ça? C'est un usage unique. Est-ce que moi je le loot, il fonctionne? Tiens. Je te pose au sol la 16X. Ok. Regarde si ça. Tac. Là. Tu la vois? Ah oui, grave. Sinon, il y a quoi? Le reste, c'est du 3X. Gamma plus. Il y a un salvo frag pistol, ça intéresse ou pas? Oh, 16. À Une quoi? touchstone aussi. 8X. Tiens, merde. Ça. Touchstone. Grave. En store direct. Et un pistolet, c'est bon, il y a ce qu'il faut. Pistolet. Non, ça devrait aller. Parce que là, il y a un salvo sinon. Bizarre ça que. J'ai l'embarras du choix. Si je fais close, tu peux la rouvrir ou seize fois quatre. J'ai fois 16 fois 4 fois 8. J'ai toutes les focales. pas? Ouais. Et ça s'adapte ou pas sur la P6? Ouais, je pense. Parce que telle est la question. Size 3, size 3. Ouais, je pense. Bien. Ah. On est venu par beau temps, on Ah. a de la chance. Ouais. Il aurait pu pas voir. Pire léger. Il est possible que les cibles se trouvent près des caisses à récupérer. Qu'en pensez-vous? Je ne saurais dire. Se méfie, il y a plein de recoins. Rien de chez rien. Tiens, Drang, regarde dans la caisse là.
Y'a rien. Y'a rien dans la caisse? Ouais. Rien d'intéressant, quoi. Non. Je vais avoir les yeux sales parce que je ne vois rien dedans. Hein. Je sais pas, j'ai pas regardé ce qu'il y avait. Ah, y'a rien. Oh, ok. Je me suis dit, je vais le laisser faire, sinon après il pourra plus l'ouvrir. Moi, je peux ouvrir que les caisses. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Regardez les caisses où il n'y a rien dedans. C'est bien, il y a plein d'endroits pour se cacher. On pourrait venir faire la guéguerre. Avec les copains, des fois. Ah oui, pour s'entraîner. Avec des balles de peinture. Ouais. Ça pourrait être sympa, ouais, effectivement. Mais avec nos frères. Une petite idée d'event. Il faudrait qu'il fasse jour, quoi. Quoique, de nuit aussi, ça peut être sympa. Une attaque et défense. Apparemment... Un King of the Hill. Ouais. Apparemment, il n'y a pas de cible ici. Hein. Bizarre, hein. Bon, on va se rapprocher des colis, on verra. Ouais. On reste en alerte. Reçu. Une caisse à 41 mètres. J'ai le sentiment qu'elles sont toutes au même endroit. Ah putain, purée. Ah, elles sont à l'intérieur en fait. La carcasse. Ah, ok. Ah ouais. Donc, faut trouver le moyen d'entrer dans le... Dans le reclaimer. Dans le reclaimer. Bon, on va faire le tour, hein. Et par là, non ? Pour un truc pour grimper là. Je pars de l'autre côté, voir s'il n'y a pas un autre accès. Là. Si. Oui et non. Oula. Ouais. Non. Je peux pas monter sur ce talus, je vais être faible des jambes. Ah. Vous avez pas mangé votre steak de cheval ce matin ? Ah, ça doit être ça. Je manque de vitamine D. T'es parti de quel côté ? Là, il y a une entrée là. Sur ma position. À l'avant. À l'avant du vaisseau. J'arrive vers toi. Merde, le con. Quoi ? Problème ? Non, j'ai fait un petit réflexe. A priori, ça a l'air safe. Hein. Tu penses ? Voilà, je crois qu'on a trouvé le pilote. Ah, j'ai pas vu. Il y a un cadavre ? J'ai pas vu le cadavre. Oui. Là, juste devant, avec une barre de métal dans le torse. D'accord. C'est get. Bon, j'ai changé d'arme pour la custodian parce que. J'entre. La P6 ici. Tiens, colis droit devant là. Ici. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? On récupère ? Allez, je le prends et je te suis. Ouais, ok. C'est toi qui me couvre. Hop. En avant. Il n'y en a pas d'autres dans le coin là. Les autres sont pas, de l'autre côté, je pense. On n'a pas fini de tout. Parce que les autres colis, je les vois plus. Il n'y a pas d'autres accès de toute façon ici. Ça va pas marcher. De toute façon, il n'y a plus un qui doit. Ce qu'on peut faire, c'est se rapprocher des autres. Je vais le poser au milieu là-bas. Tu veux pas le poser dans ton vaisseau histoire d'être sûr qu'il soit. Direct ? Parce qu'on n'est pas à côté, non ? Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est bon ? T'es derrière ? Ouais. Ok. Je vois pas les autres colis, hein. Info, je sais pas. Ouais, moi non plus. Ah, c'est parce que j'ai celui-là dans les mains, peut-être. Ça, c'est grand, hein. Mais debout, ça serait peut-être mieux. Ah, je suis. Non, c'est parce que je m'entraîne en ce moment. C'est pour muscler les électeurs. Là, ça fait les cuisses. Hein. Ça fait les cuisses. Je vais poser. Oui, mais je vais poser le truc là. D'accord. J'ai besoin de voir sur le GPS où se trouvent les autres caisses. Ah, ça y est, elles sont réapparues. Alors, il y en a une juste là, à 47 mètres.
Par contre, par où il faut passer? Ouais, je sais pas. Oula. Ah, par là, ouais. Ça a l'air de pouvoir entrer là, non? Pas. Est-ce qu'il y a une entrée là-dedans hein? Apparemment non, hein. Oh non, ça ressemble à un attrape-couillon, pas là. Je sais pas que si on okay. s'engage là-dedans, on puisse pas sortir. Ouais, bah l'entrée doit être là, je pense. Voilà, ce serait l'endroit idéal pour un... pour un guet-apens, là. Pris entre deux, là. Et l'échelle. Ouh. Ici, là. Exact. Il y a un colis là-bas à 31 mètres et un autre de ce côté. 64 mètres. Oh, on peut monter. Je m'occupe de l'autre colis, là. Ça semblait plus simple sur le plan. Aïe. Un plan, ça, c'est pas fait pour durer. C'est bon, c'est sordide. Il y a des gens. Tu trouves la caisse, c'est bon ? Non. Ah bon ? Encore. Ah, je fais ma progression comme il faut. J'ai pas envie qu'il y ait un. Qu'un guignol qui apparaisse dans mon dos. Ah. Mmh. C'est plus prudent. J'ai patience, ce bordel là. Moi, le fait de voir personne, ça me rassure pas. Ouais, on aura peut-être une surprise d'ici quelques instants. Oh, il y a une belle terrasse, dis donc. Avec vue sur le jardin. Sympa. Voilà, il y a quoi? Il y a pas un vaisseau? Ah, il m'a semblé entendre des réacteurs. Ou c'est le bruit du vent dans les tôles, peut-être. Négatif. J'ai entendu. En tout cas, il n'y a pas de caisse ici. La caisse, elle est à 53 mètres sur votre. Si vous arrivez vers moi, sur votre droite gauche, il faudrait passer sur le petit. La petite structure qui est à côté. Peut-être faut-il repasser par l'extérieur. Bon, comment est-ce qu'on fait pour reprendre l'échelle? Ah, j'ai peur que je. De tomber en fait. Ah, c'est bon. J'ai glissé. C'est pas le moment de se blesser. Bon. T'as vu où ça se trouvait? Regarde. Non, là-bas derrière toi, regarde. 53 mètres, tu le vois le package ou pas? Je vois un drop package à 1000. Ah non, ça c'est le. Non, c'est le package. Tu as un paquet 739 qui se termine en 739 à 53 mètres de droit devant toi. Oh non, moi. Ok, au niveau sur de la là sur la structure, au-dessus de la structure qui fait cette espèce de tunnel là. Ouais. Si par exemple tu pouvais monter par-dessus, je pense que tu le trouverais au-dessus le colis. Ok. Et moi il faut que je grimpe tout en haut là. C'est pratique. C'est dangereux aussi. Ah, je crois que ça doit être ça. T'as trouvé? C'est ça là? Je sais pas, j'ai pas d'indication dessus. Ah si, c'est bon. Si tu l'as trouvé, j'ai mis un message. Ah ouais, pareil.
du monde qui est venu s'incruster dans ce machin. Ah, c'est sûr, hein. Faut vraiment être miséreux pour habiter là-dedans. Ça me rappelle un film qui est mes ancêtres. On se lègue de génération en génération. C'est un film assez mythique hein, qu'on a dans la famille sur disque. Je sais pas si vous connaissez comme support sur disque. Mad Max. Ma grand-mère en avait. Mad Max. Oui, je l'ai vu quand j'étais jeune. Un film qui dépeignait un futur apocalyptique, évidemment, qui n'est jamais arrivé, parce que sinon on ne serait pas là aujourd'hui. C'est ça. Bien sûr. Bon, j'ai trouvé le paquet. Ok. Ah bah, en fait, il y en a 3 paquets. Bon, autant directement emmener ceux qu'on a dans les mains et directement dans le vaisseau. De toute façon, mais vu que je n'ai pas de multi-tool, je me demande comment je vais descendre le paquet. Ah. Bon, à moins de faire un saut de l'ange. Non, je sais pas, je vais voir. Le jeter, non? Je vais essayer de descendre avec. Ah, c'est à 150 mètres quand même. J'ai l'impression qu'on va se faire attaquer tout le temps. Parce que la zone ne semble pas très sûre. Et il y a souvent des... On a souvent des opportunités de... Comment, de mission pour déloger des opportunistes qui viennent envahir les lieux. C'est ça, c'est ça. Juste derrière toi. Enfin, juste à 68 mètres. C'est vrai qu'on aurait pu se garer plus près. Ouais. Mais bon, j'avais peur qu'il y ait du monde quand même. Ça fait loin. Hein. Je sais pas ce qu'il y a dans cette caisse, mais c'est lourd. Je crois que c'est des minerais. Peut-être. Bah, y a un je me demande si on peut regarder ce qu'il y a dedans. Bah, prends, franchement, je préfère pas savoir. Non, j'ai reçu un SMS sur ma mobile glace. Ah. Un message de Skyline Eka, je crois, qui me demande comment ça va. Bah, je vais lui répondre que ça va bien. Voilà. Oui, ça va pas trop mal, effectivement. Bon, j'ai mis la caisse là. On va aller chercher la troisième. On va chercher à pied ou on se transporte? Ah. Oh, tu l'as bien rangé. J'ai bien rangé, oui. Au milieu de J'aime bien les choses bien rangées. Qu'est-ce que je fais? Tu pars devant, j'essaie de me poser plus près là-bas ou... Ouais, vas-y, essaye. Je suis sûr de gagner. Ouais. Je sais pas. Ouais, bah il y a une grande place ici, juste à côté du vaisseau. Oh, ça va pas être beaucoup plus... Oh non, ça va pas être... Non, ça ouais. Va pas être... On va rien gagner. Bon, attends, j'y vais. Je vais te dire si on a de la place pour se poser. Ça marche. Je passe au poste de pilotage. En dehors de Stade Ferraille hein, qui gâche un peu le paysage, je trouve que l'endroit est sympa. Oui, je suis d'accord. Ça manque d'une petite rivière ou une petite cascade. Ah, il y a le vent qui se lève, non? Ah ouais, ouais. Il fait moins 11 degrés, la température est descendue. Non, à part te rapprocher de quelques mètres de la carcasse à l'avant là. Ça sert à rien. Non, non. Bon, je démarre les moteurs. Je
je fais chauffer, c'est un diesel. La zone est clear. Voilà, ça se gâte ici, hein. J'ai hâte de rentrer, je commence à me cliquer, moins 13 degrés. Quelle planète de merde. J'en chie les ronds de chapeau. Alors que même si tu t'étais rapproché de 30 mètres, ça aurait été bien en fait. Ah, bon. Parce que c'est super long. Avec la caisse dans les mains, ouais. Ah ouais, c'est long. Oh, je peux bien meilleur ici. Est-ce que je peux les coller? Ouais, doucement, tranquillement, pour éviter de me faire tomber, ça serait sympa. Ok. Je ferme la rampe. C'est bon. Oh putain, il m'a. Oh, j'ai un rollback de colis. Vas-y. C'est des colis qui collent? Oui. Ça vient de là le mot colis. Ah, c'est peut-être bien ça. Ouais, je pense. Je pense que. Ouais. On demandera à notre archiviste de faire des recherches. Je crois que. Il se fera un plaisir de nous renseigner. Ah, tout ça m'a déshydraté, j'ai soif. Est-ce que je peux donner un petit coup d'accélérateur? Vous êtes assis ou pas? Non? Ah oui, c'est bon, je suis installé. Oh. Ou pardon, c'est les flageolets. Je suis désolé, désolé commandant. Mais... Je pensais que ça allait pas s'entendre. Ah, les flageolets démarrent. Oh putain, je sais pas ce qu'ils foutent dedans. Mais ils te déboulonnent de ventre, c'est horrible. Ah, heureusement, j'ai une combinaison qui recycle, hein, parce que sinon, s'il fallait supporter. Alors, un OM. Super. Alors, livraison, où donc? Par ici.
Les colis, on la bougeotte. Hein. Oh là là. Allez, 24 km. Est-ce que vous avez une mission de désinfection, on va dire, concernant ouais. Le holo, le ghost holo, il s'appelle. C'est dans la zone mercenari. Dans l'onglet mercenari, pardon. Négatif dans le sens dedans, mais j'ai jamais fait l'évaluation ici, c'est pour ça. Bah oui, mais moi je l'ai pas non plus, donc j'ai jamais fait d'évaluation non plus, donc je sais pas, je. Ah, ok. Peut-être qu'il faut faire une évaluation type bunker sur Microtech pour l'avoir ensuite. Attendez. Alors. Mais attends, mais c'est une retrival OP qu'on a fait là. C'est une rétréval OP, mais dans la section personnelle. Ah ouais. Ah oui, d'accord. Non, personnel, j'ai comme arrêt problème. Mais la dernière fois, je l'ai trouvé dans l'onglet général et dans mercenari, je crois. Et là, j'ai vu qu'il y avait des remove claim jumper, non? J'ai cherché de l'eau, j'ai soif. Ouais. Alors, Ok, on est arrivé. On est arrivé où? Destination. Voilà. La vache, c'est encore plus glauque que... Ouais, ça a l'air de cailler, là. Oh putain de merde, on va mourir de froid. Bon. Oh, je déteste avoir froid. Je sais pas si tu l'as déjà dit. Ah, rien que de voir les flocons de l'extérieur, ça me donne des frissons. Courage. Allez. Ce n'est qu'un mauvais moment à passer. Ah bah j'espère que c'est bien payé. Hein. Ah, alors attends, on descend pas tout de suite du vaisseau. Hein? Bon, ouais. Parce que je sais pas si... Si c'est hostile? Voilà. Non, c'est juste que le haillon ne touche pas le sol. Ah, je vois. Oui. Il faut déplacer le vaisseau, sinon après on est bully. Je vais se faire. Ouais. Parce que moi je peux plus pour le coup. Il faut un vrai pilote pour cette manœuvre. C'est ça. Bon. Oh, on a une visibilité qui. Oh là là, ah ouais, d'accord, je vois. Où est-ce que tu veux? Ah oui, c'est vrai que ça. Oh, oui. Je vois. Est-ce que le moteur est coupé? Oui. Wow. Si tu
tu peux faire attention avec mon vaisseau. Ouais, mais. Attends. Waouh, waouh! Waouh! J'ai un problème. Tu n'as jamais piloté de Drake? C'est pas ça. C'est pas ça? Là non, mais j'ai mon axe Z qui est complètement pété et qui tourne dans tous les sens. Ah. Et là je tourne en continu. Oh là là, ça va mal se finir. Il faudra peut-être diminuer l'allure, que sais-je. Je... Bon, ça répond. Bon, je vais voir si je peux pas changer de... Je fais un truc en urgence. De toute façon, je touche pas le sol pour l'instant. Okay. Si je touche le sol, c'est catastrophe, là, ça fait beaucoup. Ah oui, tant que ça. Je tourne, je roule en continu. D'accord. Pas du tout si ça va arranger le problème. Avec les touches clavier? Je pense que je les ai débindés. Ah, c'est bon! Ouais. Bon, bah j'ai changé le stick et. Ça va venir à la normale. Bon, faut que je sache donc. Il est où le cucu, elle est où la tête-tête? Si vous pouviez vous poser rapidement avant de casser mon vaisseau pour la seconde fois! Enfin, la première fois, c'est pas toi. Mais... Je vois absolument rien, mec. C'est normal, il y a de la neige. Peut-être enlever les phares, du coup. Et passer en caméra extérieure. Parce que c'est bon, j'ai lancé le drone. Le drone d'orpège. Oui. Bam! Et là, on est plus. Et là, y a rien. Bien posé. Je coupe le moteur. Là, ça a l'air bon, là. C'est bon. Ouh! Il est bancal où, hein? C'est bancal, mais ça touche. Non, mais ça va le faire, ça va le faire. Ah non, 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 putain. Quoi? Il y a mon genou qui a tapé sur le bouton off. Ah, du coup, le vaisseau est complètement éteint. Oh, c'est pas grave. Ah, je vais le rallumer. Bah non, mais c'est bien d'avoir un bouclier. On m'a laissé, hein, je vais me cailler les couilles dans la neige. Non, mais je préfère allumer le... Jamais trop prudent. C'est pas faux. Parce que si le chauffage s'arrête après, ça va refroidir. Ah oui. Et là, ça caille. Hein. Oui. Pour le coup. Bon, allez, c'est parti. On est sur quelle planète là? Ah, visiblement. Microtech. Toujours, oui. Parce que je vois qu'il y a la gravité. Oh ah oui, moins 50. D'accord. La Zvidania, j'espère qu'il y a de la vodka à l'intérieur pour se réchauffer. Wow. Mais sacré froid de canard ici. Non, c'est ça. Il y a un petit rollback, faut laisser faire un peu. Oui, il y a un me colle aux mains. Ah, qui est directement sur place. Oui, c'est ça, ouais, sinon ça marche pas. Si, d'accord. Si, mais attends, laisse un peu. Arrêtez. Non. Notre casque nous retransmet une vision décalée de la réalité. J'ai l'impression qu'on est complètement pas dans la réalité, ça doit être la drogue. Et t'as mis les bonnes numéros peut-être... de caisse à leur place. Je peux peut-être essayer. Oui. C'est en train de me faciliter le transit intestinal. Transit intestinal, oui. Bon, je vais faire drop, attention. Ce serait dommage de tâcher ta combinaison. Ah,
Voilà. Ah, c'est fait. Ouh. On va en prendre 5, hein. J'ai besoin de boire un coup en plus. Alors, est-ce que j'ai cette foutue mission ? Gagné ! Attends, ah non, ça c'est le 890. Il y a un 890 qui s'est fait investir. Ah ! Dans le coin. Ils ont besoin d'aide ? Ouais. Ça vous tente ou bien ? Attendez, Fugitive Recovery Certification, c'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est. Zut, hein, je serais bien retourné faire ces... Elle y est pas, elle y est pas. On va boire un coup pour commencer. Moi non, ça va. Il y a des bouteilles au frais, il y a de la bouffe en fait ici. Tout ce qu'il faut. Il y a un lit. Ah, j'avais jamais fait gaffe. Ah, il y a des... Oh, ça c'est le bordel. C'est un peu une auberge de jeunesse le truc. Un peu, ouais. Sauf qu'ici personne n'a vraiment envie de venir. Pas vraiment, ouais. Tu m'étonnes, c'est le trou du cul du monde. C'est une espèce de chiotte ici, je suppose. Ah putain, t'habites là, c'est la déprime. Ouais. Je dis, tiens, je vais aller faire un tour dehors. Oh putain. Ah ça, ouh, moins 58. Moins 58, c'est quand il fait beau. Ouais. Moins 58, c'est quand il fait beau, effectivement, ouais. C'est. Bon alors tu bois ou tu bois pas là? Ok. Bon, celui qui habite là il ramassera. Hop. Bon, allons-y. C'est bon? En fait, les trains arrière ne reposent sur rien, non? Si, il y en a un. Tu vois, t'es une mauvaise langue. Attends, je filme là. Tu vois, ah oui, je suis derrière, arrière droite, voilà. Effectivement. Ouais, bah, t'as vu le terrain en même temps. J'ai vu, effectivement. Ouais, ouais. On s'est adapté, quoi. C'est... Hein. Ah, maintenant c'est vrai. Décollage.
On se casse de cette zone désertique là. Ouais, c'est... Ah, c'est de toute beauté. Ah, émets-toi. Quoi? Ah, rien, rien. Tout va bien. Il fait un peu frais là dans ma cabine. Je vais voir si je peux pas rehausser un peu le chauffage. Ah, y a pas de chauffage du tout, oui. Ah, on sent. T'entends le bruit? C'est du Drake. C'est du Drake, ouais, c'est ça. Ça vibre. Ça vibre. On entend bien le moteur, hein. Carrément. Vous fumez? Non, ça vous dérange pas si je fume? Ah oui, du feu, je veux bien, oui. Bien, du coup, on porte assistance à ce 890 ou bien? Ouais, je pense qu'on va essayer. En attendant. Il est je cherche. Mince. Ah, c'est bon. Merde. Je crois que j'ai pris une modérate. Je crois que je l'ai pas. Ah. Tu vois que t'as pas quoi? Ah, tu l'as, la, mission, la mission? Non. Ah, ok. On est pas loin, on est à 2000 km. Il y a des high threads qui tombent à tout la, tous les 5 minutes, ça m'énerve. Là, il y a 10 milliards de high threads que personne ne prend parce que c'est trop loin. Accepter, comptoir. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Non, je partage à nouveau. Hein. Allez, on est à 9 km. Ok, je vérifie si je l'ai bien. Ouais, c'est bon. Boarding in action. Action. Boarding in action. Pas des vaisseaux attaqués quand on arrive. Le signal radar n'indique rien pour l'instant. Ouais, tout pareil. C'est bizarre. Je suis à 900 mètres et j'ai rien. Tu donner un peu de temps? Oh, ça y est. Ah mais je crois que le... Ouais, non mais je pense que le soleil ne l'éclairait pas totalement et ouais. Il était voilà,
Il y a un astéroïde qui a dû passer devant et faire de l'ombre. Et c'est ça. Tout ça qu'on l'a pas vu avant. Nous avons été la victime d'une manifestation physique de l'univers. Oui, je pense. Oui, c'est la. C'est ça. Oui, la relativité d'Einstein qui s'exprime ici. La masse de l'astéroïde a dévié la lumière. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. Qui a fait que le vaisseau n'était pas éclairé. Voilà, on n'a pas d'autre explication de toute façon. Hein. Non, c'est ça. On va être obligé de faire avec. Hein. Attends, quand t'as compris que le temps et l'espace étaient liés et que voilà, le temps n'était pas absolu et qu'il pouvait être dilaté et contracté, voilà, à partir de là. Oui. Et que en plus de tout ça, la cuillère n'existe pas. La cuillère n'existe pas, cette putain de cuillère. Non, putain, rien toujours aux fondamentaux. Mais ça, en cours de physique chimie. Ouais. Est-ce qu'on t'a dit toi que la cuillère n'existait pas? Bah non. Non. Alors que s'il l'avait dit, ça aurait tout changé. On aurait peut-être dû ouvrir un sas sur le côté latéral, non ? C'était possible, mais on peut aussi refermer là par après, c'est pareil. Ouais, mais c'est plus stylé. Ouais. Ben, on fera le retour plus stylé. Ok. Ok, le docking collar est fermé. Je l'ouvre. Peut-être ouais. Une arme plus rapide, ça serait mieux. Je suis prêt. À faire feu s'il y a quelque chose de l'autre côté. Il y a rien. Voilà. Défi, entrer sans se casser la gueule. Oh oui. Bravo. Vous avez gagné. La fameuse. Ok, on progresse. On progresse. Je dois avoir des hallucinations spatio-temporelles. Je dois changer d'endroit. C'est très bizarre. Je pense que c'est dû à la retransmission visuelle du casque. Non, mais je pense que c'est dû à la gravité qui a posé problème précédemment. Ah, la faut pas. Ok, j'ai personne en haut. Putain, c'est mon armure qui me gêne à viser. Un coup sur deux. Je vois du monde. Ok, j'ai personne en haut. Y'a personne là. Est-ce qu'on refait le bas avant? Je suis. Et je vais regarder les champs, on sait jamais. Oh, ça tire là. J'entends hein. Des tirs, hein. Je sais pas où ça tire, mais. Ce sera pas la piscine là-bas? Ou c'est au-dessus peut-être? Au niveau du bar? Ouais, je pense que c'est au-dessus. Ici c'est clair. Y'a des corps dans la piscine. Ah bon? Ah, j'ai. Des morceaux de corps. Ah oui, c'est pas. Oui. C'est toi qui es dedans là? Ah non. Ah non, ok, j'ai vu un truc se défaire. T'es monté? Non, je suis derrière toi. Ok. Ok, je vais au niveau du restaurant. Ok. Enfin, du bar quoi. Ah oh, putain, super le truc qui. Ah oh, la visée de merde. Tu n'as rien d'autre comme arme? Non. Je vais mourir. Ah, il y a une cible droit devant. Il me semble. Là, oui. Il n'y a pas qu'une. Attention, il n'y a pas. Ouais. Oui, je sais ce que tu veux dire. Il y en a encore une. Hein. Attends, je vais essayer de mettre des têtes. Neutralisé. Ah, il crie d'ailleurs. Ah, il a mis du temps à mourir. C'était une balle à retardement. Il y a un corps là. Il y a un homme qui est mort sur son siège. Moi, je pense à P8. Voilà. Je suis pas très P8 dans l'inertie. C'est bon. C'est clair. Ici pour moi c'est clair. Ok. Enfin, les touristes. Je peux juste récupérer un. Ah non, il n'y a pas de chargeur avec lui. Putain, les manons. Et ceux-là, là, non plus, ils n'ont pas de chargeur? Bon. Là, je sais pas.
Putain, mais... Voilà. Ils ont des combinaisons particulières, des problèmes oculaires. Ah ouais, c'est laid, hein, c'est... C'est des clodos. On peut descendre par cette voie ici, là. Ouais. Ou alors... Allons-y. Voilà. Non, je n'aime pas. Faut la prendre les escaliers. Je crains que non. Bon, allez, allons-y. Ne perdons pas de temps. File data transmission, ok. Fait le capitaine là-haut, tant qu'on dit. Allez. Avant de descendre. Il y a la passerelle et après il y a le bureau du. Y'a pas une tablette à récupérer quoi. Normalement oui, mais on a échoué. Ah. On n'a pas été si rapide. Ouais. Bon. Bon, poste du pilotage race. Y'a le bureau du capitaine. La chambre impériale là. Mm-hmm. C'est race ici hein. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre là ces connards. Je crois que le reste va être en bas. Pareil. Ouais. C'est anormalement calme. Oui. Quelqu'un qui parle là. Oui. J'ai appelé l'ascenseur. Putain. Moi je crois que l'ascenseur ne fonctionne pas. On va devoir prendre l'escalier. Oui. L'échelle. Oui. De me souvenir où elle est. Alors attends, on n'a pas fait les chambres là peut-être. Ok. Clear. Il y a un corps ici. Tu écoutes? Il y a une voix là. Ouais. Il y a un cucus qui est caché quelque part. Normalement l'escalier doit être par là. Ah, ici il y a un élévateur. Là. Il n'y a aucun élévateur qui fonctionne. Là il y a l'escalier. Ah voilà. Attention, juste en dessous de toi. Il y a un mec juste là, juste en bas. Je remonte. J'ai vu sa tête. Ah il est... Putain. Je remonte parce que je peux pas tirer en descendant les... Voilà, faut sauter. Et tu peux pas le voir d'ici? Ah, il est où? Attends, je regarde s'il est pas dans le coin. Ah, il est plus là? Non, il est plus là. Et j'ai vu un mec avec un espèce de casque dégueulasse là. Oh putain! Putain, j'ai vu un cadavre éclaté. Bon, attention! Oh. Ah. Je l'ai eu. Il venait vers nous. Hein. En bas. Ouais, mais il y a une vitre, tu peux pas tirer. Bien. On a l'impression qu'il n'y a pas de vitre en fait. Si, si, il y a une belle vitre. Une belle vitre bien blindée. Neutralisé. Et de 1. Ah, il y en a encore un autre juste en bas là. Ah, il y en a plus qu'un. Hein. Et fais gaffe, il y en a un juste à droite là. Je pense que je suis droite. Neutralisé. Et il y en a en bas. Attends, je
Hop. J'adore ce flingue. Bon. Ils sont morts. Bon, là-dedans, c'est clair. Attends. Non, c'est bon. Ah, ils ont pu tuer les forces de l'ordre. Les forces de sécurité. De ce qu'on a entendu tout à l'heure, ça tient dans tous les sens. Ok, là y'a rien. Ah, les pauvres gens, ils ont rien demandé. Ouais, il y en a quand même encore 5, hein. Ouais. Là. Ah, c'est toi là qui cours. Il sort d'où lui, non? J'ai hésité parce que. Oh. Il y en a encore un à l'étage, regarde. Oui, ah mais là il peut pas tirer. Non, par contre nous on peut, si on grimpe. Non, ah si on grimpe, oui. Il a des cornes sur la tête. C'est le chef, non? Non, c'est sa femme qui a un rapport avec ça. Ah, c'est sa femme. Down. Bon, il est fort possible qu'il soit attiré par le bruit, il y en a un. Encore là, voilà. Ouf. Oui, c'est pour ça que des fois c'est pas mal d'être silencieux. Ah putain. Quoi mais non, mais j'en ai qui était. Je savais pas qu'il était mort, je pensais qu'il y en avait un autre. C'est qu'il allait tirer dessus. Ouais, il y a un petit décalage. Oui. On peut visiter ce qu'on a. C'est le server machine qui fait ça. Oui, et je sais pas du tout ce que c'est que le server machine, monsieur. C'est une technologie intégrée dans nos casques. Ah, d'accord. Mmh. Ce qui fait que vous percevez la réalité différemment de ce qu'elle est. Ah, c'est intéressant. Ça a un rapport avec Einstein ou pas? Ah, c'est Einstein, bien sûr. Il y a beaucoup de travaux qui sont inspirés d'Einstein. Ah, j'imagine, ouais. Oh putain. Quoi? J'ai cliqué pour ouvrir la porte, ça a tiré. Le mec est à cran, quoi. C'est ça, ouais, c'est moi. Y'a rien là, y'a rien. C'est bon, y'a rien? Non, c'est rien. Ils sont où les deux qui restent? Je pense peut-être au niveau du hangar. Alors à l'avant alors. Tiens, j'essaie de sortir. Attends. C'est par là. Ah, on peut traverser, mais. Celle de Bia à quelqu'un? Non. Mais c'est où? Ah, voilà, c'est là. Putain. Je fréquente pas assez cet endroit là pour bien le connaître. Cible en but, hop, 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 hop. Ah bah. Voilà. Ok. Moins 1. Moins 2. Oh putain. Elle est pas belle la vie. R. Ok. Bon. Moi voilà. T'es où? Je suis au niveau du cargo. On va sortir par la grande trappe, ça évitera de se faire chier à monter, non? Je te rejoins. Si ça fonctionne, monsieur. Oui. Allons-y. Ça a pas l'air de vouloir fonctionner. Ouais. Essaye, toi. De toute façon, je crois qu'il y a rien qui marche. Je pense qu'ils ont neutralisé l'alimentation générale. Ah, y'a rien qui marche comme ça. On n'a pas regardé si on pouvait la remettre en route, l'alimentation. Je pense qu'on peut. Je suis pas électricien. Mais depuis le poste de pilotage, ils ont peut-être simplement coupé le système. Oh, oh. Le vaisseau est en mouvement parce que l'arme se déplace. Ah bon? Ah, ouais. Non, c'est pas par là. Ah non, c'est pas par là. Moi, je te suis bêtement. Mais... C'est plutôt de l'autre côté, effectivement. Par là. C'est d'un coup à se perdre. Hein. On s'y perd. Hein. Oui.
Voilà. Et là, on peut peut-être sortir par le haut, non? Ça marche pas non plus. Par le haut? Non. Putain. Non, ça va pas. Mais qu'est-ce que j'ai fabriqué? Mais... Ah, tu voulais aller rallumer tout? Non, normalement... Normalement, l'alimentation des ascenseurs est indépendante de l'alimentation générale du vaisseau, c'est un truc à part. Si ça fonctionne pas, c'est que ça se trouve. Ah c'est ouais. La... Ah oui, c'est sûrement la commande, le contrôle général qui doit être grillé. Oui, oui. J'ai ouvert la trappe latérale droite du. Oui. Cutla, du vaisseau Cutla. Oui. Vas-y. Oui. Moi j'ai déjà fait 3 fois le tour du. Pourquoi tu n'arrives pas à sortir? Si, si, mais c'est long. Je suis parti exactement là où il fallait pas aller. Voilà. J'arrive. Je t'attends. Me voilà. Ah, ça réagit avec le bouclier. Ah bon, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est le bouclier du vaisseau qui est. Ah, j'aurais même pas pu te tuer si j'avais voulu t'attendre à la sortie. Le bouclier t'aurait protégé. Oh, bien gentil ça comme idée. Je vais boire un petit coup d'eau, tiens. Ah, un petit coup d'eau. Bon, là, il pense à nous, là, ou bien... Oh, putain. C'est la merde. Non, il veut pas boire. Si, il veut pas. Ah, t'as raison, il y a des problèmes de réalité, là. Il y a une critical à 334 000. Je suis sûr qu'avec un cut là, c'est possible. Oh oui, oui. Oh oui. Tranquillou. Elle est où la bouteille? Elle est par terre. Mission dans la Moby Glass. Il y aurait une recherche dangereuse là. On a trouvé une culture de virus sur un site de crash qui serait. Ça sera récupéré.
pilotes ont dit que la zone était dangereuse. Avez-vous le goût du danger? Il va falloir que j'achète cette radio. Hein. Elle est vachement bien, ma radio. Excusez-moi, j'étais en train de consulter mon smartphone. Il y avait des messages sur Star Facebook, alors... je l'ai pas reçu, voilà, le contrat. Bon, allons-y. Vous êtes inscrit sur Star Facebook? Non, je n'ai pas de compte de ce genre. Ça ne m'étonne pas. Être complètement asocial. J'aime pas les gens. Quantum chargé, destination Calliope. Alors, est-ce qu'on dit Calliope ou est-ce qu'on dit Calliope? Faudra demander à l'archiviste. C'est vrai, il va falloir qu'on lui pose pas mal de questions à l'archiviste. Faut faire une liste. Ah, mais c'est une infection là. Bon, ça va le cul de placer aéré. Hein. Non, mais ça s'ajoute avec l'odeur désagréable qui est dans le cul de place de base. Oui, déjà qu'il y a une odeur de câble, c'est vrai. Ça sent le plastique et le mazout. C'est vrai. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, le cul de place fonctionne au mazout. Hein. C'est un des seuls. Hein. De la zone de crash. Bien reçu. Contrôle. Qu'est-ce qui vous fait rire? De rien. Ah, ok.
colis qui est là. Ouais, pas de cible, potentiel. Négatif. C'est clair. Tu le récupères. Rangé. Allez, j'y vais. Déposé. Après, il y a pas mal de marchandises, mais bon. Il y a des chances que ce soit pas vendable. Trouver un corps. Ah, ils ont pas réussi à se décrocher à temps. Moins 80 degrés dehors. Ouais, ça pique. Je sais pas, j'ai peut-être arrêté un peu là. J'ai un petit coup de mou. Tu as déjà fait la 6 de data. La quoi? La 6 de data. Celle qui consiste à investir un réclaimer dans l'espace, récupérer une carte de cryptage, insérer dans le moniteur, désactiver les boucliers du vaisseau et détruire le réclaimer à la fin. Non. Négatif, non. Ok. Dans le sens du monde, tu veux la faire ou pas? Tu me donnes 5 minutes? Tu l'as? 10? Oui. Je partage. Allons-y. Voilà. Le colis, il attendra. Ça tranquille. En plus c'est une culture de virus, j'ai pas trop envie de rester à côté de ça. C'est pas fou.
Il y a un voyant rouge en plus, donc c'est pas très... Ouais, mais le voyant rouge, il est pas méchant tant qu'il clignote pas. Avec les humains qui sont assez cons pour cultiver des virus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Fait des siennes. Ah. Un peu l'écart. Ah, ok. C'est au sommet d'un building. Pas grande classe. On sera peut-être accueilli avec des petits fours. Ah, ben, pourquoi pas. Contact à midi 10. Oh, il y a un rassemblement de vaisseaux là en dessous, là à droite. Là. Ah oui, il y a beaucoup de contacts. Oui. Si on avait été méchants, on aurait pu tous les exploser. Enfin, avec un Hammerhead, on aurait pu par contre. Hammerhead, marteau. Oui. Oh, on sent la fatigue, hein, commandant. Ah oui, je. Oui. Ah, je t'ai pas aligné. Ah, c'est sur ce toit-là. Oh. Je ne vois pas le tapis rouge. Hein. Non, je pense que c'est raté pour les petits fours. C'est vraiment des rats. Je trouve aussi. On se fait chier à travers leur virus. Nous, qu'est-ce qu'on a? Rien. Ah, si, y'a un rhume. Oula, 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 y'a du vent, y'a du vent. C'est bon. Ok. Je vais voir si je peux aller le porter. Dépôt à 35 mètres. C'est pour moi qui prends la mission. Oh. Oh, le vent il... Ah oui, le vent il est balèze là. Ouais, il fait attention de pas être éjecté du tout. Ah, mon armure a blanchi à vue d'œil.
que moins 83 degrés. Hein. Bon, ça va. T'as du mal à avancer, non? Ça, c'est très drôle. En plus, je vois rien avec toute la l'ogivre qui se forme sur ma visière. Ça m'empêche d'avancer correctement. Ah. T'as sonné avant? Oui, on est ouvert. Ah, c'est bien fait, j'ai l'impression. Comment? C'est bon. La mission a été complète. Effectué avec succès. Oh, wow. Ça semble pas t'envoler. Ah, j'ai fait ça pour 4500 balles. Ouais, c'était vraiment pour se promener. C'est bon, on décolle. Là, il y en a pour 50 000. Calme-toi, attends, je suis pas encore à bord là. Ah putain, avec la chance que j'ai. Bravo. Chaleur. Décollage. Les aventures de Kindred et Drangon. Oui. Magnifique. Saison 1, épisode 1. J'ai cru que c'était Hurston Radio. Ah oui. Ouais. Bien. Alors, donc c'est dit donc ça se passe. C'est à 43 millions de kilomètres. Oh, oh vache. Très bien, j'en perds mon trombone. On va se mettre un petit peu de musique en attendant. Avec mes doigts, avec un rouleau de scotch. Avec deux doigts et deux rouleaux de scotch. D'accord. Ça marche pas. Et en musique, avec la musique, ça a été super, mais non. Ouais. Peut-être qu'il faut un certain talent et. J'ai pas de talent.
J'ai pas de talent. Ah, yeah. Tiens, c'est qui? Très peu de décalage. Ça a frappé. Ah, je crois qu'il y a quelqu'un. Tu veux pas regarder? Tu veux voir ce qui c'est, non? Attends, je vais regarder. Je vais... Alors, c'est qui? C'est un colis. Ah, d'accord. Bon. Ça joue la porte, on peut pas ouvrir là. Ah, vas-y, ouvre. Il livre dans le canton maintenant? Ils sont forts. Merci pour le colis. Ah, c'est... C'est quoi comme colis? Oh, ça s'ouvre pas, le colis des autres. Bon, t'as reçu tes new look. Ah, chouette. Super. Mais... Ah. C'est un new look, ça. Ouais. Bien. C'est une bite qu'on vient d'entendre. On va. Si j'y en a qui veut parler. On va. Oh, je vais crever. On va voir assez de carburant pour arriver jusque là-bas. Oui, bah je vais pas te faire le coup de la panne. Ah, ah, j'ai non, non, oh, ça va, j'ai faim, mais pas en route. Regarde, c'est bon, on arrive. Un petit cooldown et on y est. Merci, merci. Oh, bah, essayez-moi. C'est relou, putain. Si je veux dire ouais. Allez, bon dieu de Quantum, là. Je suis pas malade. Ça, c'est pas le Covid? Peut-être ça traîne en ce moment. Bah oui. Bah du coup, vu l'année qu'on est, c'est le Covid 248, là. Oui. On en est à la 15e vague. Contact. Ah. Voilà. Il s'agit du Black Kite. Droit devant. Ah! Mais. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, objectif de la mission: pénétration, premièrement. On ship la carte, la crypto key qui se trouve dans le bureau du commandant, logiquement. On fait attention parce qu'il y a des. Il y a des gens pas sympas à l'intérieur. Et un truc qui est sympa de faire, c'est de désactiver le bouclier du vaisseau. Puisqu'après, il faut qu'on le dégomme. On va céder aux postes de pilotage et puis... Ouais. Bien reçu, bien reçu. All right. Pas hostile pour l'instant. Non. Oui, j'allais un peu vite. On approche par la gauche, descendons à droite.
Bien reçu, on descend à Triver. Je me rapproche un petit peu. Je quitte mon poste de tourelle. Roger. Juste au dessus et il y a un accès en... C'est bon, oh, c'est ça, airlock qui est là. Allons-y. Captain Airlock. Sur la droite. Clear. Vaisseau du commandant, première porte à droite. Attention, cible hostile potentielle à l'intérieur. Oui, cible hostile, vu. Pendant ce temps, je visite le dortoir en face. Oui, bien sûr, oui, oui, tout à fait. La crypto-key. C'est bon ? Affirmatif. Je l'avais, hein. J'ai... Ok. Bien, on avance vers l'avant du vaisseau, on va désactiver les boucliers. Cela, oui.
Allez, vigilance. Oh mon dieu, et regarde les corps. Oh mon dieu! Ça fait peur, hein. Ah, j'ai quand même le thorax qui a pris, hein. Je suis pas bien à mon aise. J'aurais besoin de soins, ouais. On se demande où était mon coéquipier. Ici, c'est vraiment ambiance Nostromo. Ambiance quoi? Nostromo. Ah, oui. En avant, Guingamp. C'est une planète. Guingamp. Allez, nous allons grimper jusqu'au balcon. De là, tu pourras avoir accès, tu pourras avoir en joue toutes les cibles depuis avec ton portée. En face, droit devant. De l'autre côté du balcon, tu le vois. Il y en a en bas. Il y en a en bas. Il y en a en face, même niveau que nous. Sur la gauche, il est sur la gauche maintenant. Ah oui, vu. Neutralisé. Put. Ah merde, il y en a un qui passe par la droite. Ah c'est où? Ah, j'en vois un là. C'est silencieux, c'est quand même vachement plus propre. Oui, c'est vrai. J'entends parler encore. Moi j'étais au sommet de ma carrière, on m'appelait Monsieur Propre. Monsieur Propre. Pourtant j'étais pas chaud. Bon. Je sais pas si tu me vois, j'ai sauté par-dessus la rambarde. Est-ce que c'était une bonne idée? Oui. Je sais pas où est, j'ai entendu encore une cible, alors je sais pas où il est. J'espère qu'il est pas là parce que je suis tombé. Si, il est là. Il est mort. Je crois qu'ils sont tous morts, non? Bon. Je saurais pas le dire. Peut-être faire un... Avant d'insérer la carte, peut-être faire un petit tour. Ah, faut l'insérer quelque part la carte? Oui. Faut justement descendre là, regarde. Là où je suis, il y a un moniteur. Avant, il faut faire un truc. Je vais le faire. Il faut enlever ce putain de sandwich qui est devant. Parce qu'à chaque fois, il fout le bordel. Voilà. On pourra quand même pas gâcher notre mission à cause d'un sandwich. Ce serait dommage. Oh, tu peux y aller. Le lecteur, il est juste au-dessus de la carte de pique. Ouais, attends, je me fais de place. Voilà. T'en as tiré combien tout à l'heure? Un cerf. T'as tiré quoi? Combien tu as eu de cibles? En bas. Au moins 4. Data transfert complete. Super. On peut retourner au vaisseau. Tu peux récupérer, il y a de l'émozal aussi sur place si t'as besoin, je sais pas. Sur les tables, il y a des trucs à récupérer, des cartes. Des cartes, des chargeurs de C54 si ça t'intéresse. Ah, P4, ça m'intéresse. J'ai pas de P4 sur moi, j'ai pas de P8. C'est bon, l'élévateur est là. Je jette P4. Et je récupère un P4.
C'est fou, non? Ouais, en plus celui-là, il a une... Il a une lunette. Putain, ça résonne un peu là-dedans, hein. Je vais remettre mon casque. Oh mon dieu. Pardon. Excuse-moi, je suis téléspectateur, hein. J'ai perdu mon dieu. Il est où le con? Isaac, t'attends dans l'élévateur. Ah, je suis là, excite-tu. Allez. Oui. Waouh. Ah, t'as fait exit chip? Ouais. Oh, ça parle dessous, par-dessous, là, ok. Pour l'important, c'est pour qu'on sorte. Waouh. Bah, c'est parti, hein. Ouais. Ah, y'a pas de... Ah, si, y'a pas de... Si. Ça met un petit peu de temps à s'ouvrir. On avance relativement vite en EVA. Pas trop vite non plus, parce que c'est... Nickel. C'est pas le mauvais. Atterrissage en beauté. Traduction, tu t'es pas tombé comme une merde. Oh, pareil. Oh, tout pareil. C'est extraordinaire. Bon, on va s'éloigner un petit peu. Ah putain, j'ai une crampe dans le bras, j'ai le bras qui est coincé en l'air. Oh là là. Horreur. Ah, ça c'est embêtant. Ah ouais, je suis obligé de piloter avec une seule main. C'est pas la première fois que tu fais quelque chose avec une seule main. C'est pas fou. Ça, c'est à mon avis, c'est la blessure. La blessure a dû te paralyser. Je pense qu'il y a un nerf qui a dû se coincer dans un morceau de dos brisé. Tout à l'heure au choc de l'impact de la balle. Enfin, je ne vois pas d'autre explication. C'est ça, moi non plus je n'en vois pas d'autre. Ah, il faut l'exploser au fait. Ouais, il faut l'exploser. Allez. On va s'en plier, ça va aller plus vite. Ah, c'est pour ça que... chacun, vu que c'est des missions à... Comment ? Ce sont des missions à 30 000... Ah, 50 000 ? 50 millions ? 50 millions ? Oh putain, je vais y arriver. C'est sur... dangereux... C'est quand les dangereux élite... Enfin, j'arrive pas à dire... Ouais. Ah. C'est ça. Bon. Ok. Allez, je nous ramène à Hurston. Oh, ça va ? Ouais, j'ai un petit peu de mou là. Ouais, on va pouvoir faire une petite pause. Je vais faire après. Bon, c'est quand que tu prends l'application là? Parce qu'il y a des trucs à faire. Pour faire des trucs un peu RP, un peu, tu sais, même une petite vidéo à la con. Carrément. Fais craquer les portes. Tu m'as surpris. Moi, je vais l'installer. C'est voice mode. C'est voice mode, il est bien foutu, ouais. Questionnaire. Ah. On va voir un nouveau. Ouais. Une réponse. Visible.
Et il est bien, pourquoi? Parce que tu peux installer une appli sur ton téléphone portable. C'est un peu l'équivalent de Game Glass, tu vois. Où tu appuies sur ce que le son que tu veux faire, tu l'as directement sous les doigts sans passer de ton jeu au à l'appli, tu vois. Pratique. Whizbull? Ouais, il y a un mec qui s'appelle Whizbull. Ah, tu connais? Non. Mais Whizbull? Oui, lui-même. C'est moi, salut. Ah bah salut. Eh oui. Salut Whisper. Donc le lien fonctionne. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est... Ça fait peur, hein. Il y a d'autres ambiances si tu préfères. Non, mais c'est Car Wars. Voilà, attends. Bon. Whizbleu. Ah, oui, c'est Whizbleu sur Twitch et c'est Whizball sur. Je ne vois rien du tout. Voilà. Voice mode, c'est ça, t'as dit? Voice mode. Et puis j'ai acheté la version pro parce que sinon les machins ça change. Oh, bah, ça coûte 29 balles. Ah, ouais, bah oui, parce que sinon tu. T'as que des trucs limités, bon, tu sais. J'achèterai quand j'aurai des subs. Quand t'auras les quoi? Les subs, j'en aurai jamais. Il faut. Il faut avoir un certain nombre de viewers et tout ça. Ah! Magnifique histoire de voix gratuite en temps réel. Mais il y a un truc, que je peux installer sur le serveur, mais je sais pas si tout le monde y a accès après. Je sais pas. Ça s'appelle VM Tuna. C'est pareil, t'as des sons, t'as des... Alors ça, pour l'instant, je sais pas. Les nuages étaient plus jolis. Oui. Hein? Oui, c'est plus joli sur Microtech. Attends, j'ai mal dans le nez. Putain, mais il est où là, Evrus? Bah, Evrus, hein, c'est bon. Yavol. Yavol? Derrière. Tiens, vite. Oh, il y a Stanhope. Peut-être qu'il fait jour. Peut-être qu'il fait jour, Stanhope. Putain, mais il est où Je suis perdu. Ah! Alors, si là, il y a leur ville. Je devrais pas être bien loin. Evrus Harbor. Evrus Harbor. C'est par quoi? Ah mais il faut... Ah oui, vu que c'est... Oui. C'est push to talk ici. Pas push to talk, c'est bon. Ah, c'est Cronway! Salut les petits clous! Cronway, c'est Cronway qui vient nous voir. C'est touché, hein, parce que ouais, si tu pushes tout le temps, il a fallu que je me remémore la touche pour touche tout le temps. Eh ben, t'as une bonne mémoire alors. T'étais qui toi? Ah, bah ça va, oui. Bon, après, T'as pas la mémoire des noms, c'est ça? Oh, j'ai beaucoup de choses que j'ai pas la mémoire.
Non, mais voilà, bon, la petite boutade en passant. Merci d'avoir participé. Ah. Merci. Il vous en prie. Panoué, ça fait un peu beurre chocolaté. Oui, alors toi, continue comme ça. Non, mais tu vois, j'ai un petit creux. Je mangerais bien un crenouet. Ah oui. Ça... Ah, mais dis comme ça aussi. Et moi, je préfère celui avec les graineries soufflées. Oh là là, bravo. Ouais, merci, merci. Bah, on peut dire aussi Kindead, hein, un petit Kindead, et puis ça repart. Bah oui, voilà. Oh, Kindead surprise. Allez, le coup des cymbales, allez, c'est pas un plaisir. Hein. Alors, c'est l'école du cherche, cirque ici. Ouais, exactement. Quand on cherche, on trouve. Bienvenue à mon spectacle. Je serai salué le 10 mars. Excellent. Il s'éclate avec son bordel. Il est content. Ah, il est content. Hein. Il a sorti sa connerie. Il est content. Je suis vachement content comme garçon. Bon, sinon, mis à part ça, avant que je vienne, j'espère que je vous ai pas dérangé dans votre activité. Non, pas du tout, tu vois, on est sur le retour d'une longue mission. D'accord, très bien. Et sinon, merde. Ils sont où tes parents? Est-ce que tu dois chanter? Il nous manque. Il habitait où? Plus. D'accord. Wow. Ouais, il avait une maison de comment dire de et une maison il a... secondaire, il me semble, de campagne. Mais il a terminé à Biarritz. Oh voilà, bah, après hein, au grand j'ai hôtel. J'ai pas tout son historique, oui, mais bon après voilà quoi. Mais qui enfin, il avait une maison quand. Juste. Pardon, tu disais Dragon, excuse-moi. Mais vous parlez de qui? Parce que moi, ça a coupé, je sais pas de quoi vous parlez. Jacques Martin. Ah, mais celui qui a préféré au Postel. Il habitait pas mal chez moi, Jacques Martin. Non, mais il avait plusieurs maisons, de toute façon. Mais voilà. Mon cher Dragon, nous sommes arrivés. Bien sûr. Ah, il faut que je descende. Plutôt comme ça, nous sommes arrivés, mon cher Dragon. Ça marche. Elle est pour belle la vie. Donc vous êtes sur c'est là, si je vous comprends bien, oui. Ouais, on est. D'accord. Et on en sort. Très bien. On va faire une pause, mon ami, là, parce que... Oh là, tu savais ce qu'on a enduré. Hein non. Vous avez rencontré cette petite salette de 30 cœurs. Non, c'est ça? Et ben même pas vois-tu. Le jeu était très stable, mais c'est juste que là j'ai une crampe dans le bras, tu vois, je peux plus piloter. J'ai le bras droit qui est à la verticale, je fais le salut nazi constamment. Non, c'est pas bien. À ce point-là. Mais j'ai honte. Ah hein. Ouais, ouais. J'y peux rien, c'est une crampe. La dernière fois que j'ai dit ça, on m'a dit que je me branlais pas assez, mais bon, après... Ah oui, quand même. Chacun son corps. Chacun son corps, comme tu dis. Je suis quand même déçu, étant donné qu'ils n'ont pas sorti la couleur... Ils n'ont pas fait beaucoup d'armure, en fait, avec la couleur noir-rouge, là. Parce qu'elle pète, hein, mine de rien. Bah, j'ai une préférence, moi, sur trois armures en particulier. La Grey 4, la DP, puis la DC, pardon. Et puis, comment dire, l'autre, c'est... comment ça s'appelle, l'Artimex. Voilà, pardon. Mais ils auraient pu faire des stops aussi. Peut-être que je me... Oh. Ouais, bien vu, putain, j'avais pas vu celle-là. Bien vu. Oh,
Les trucs qui se perdent. Mais carrément. On ne l'arrête plus. On n'arrête plus. Parle dans ton micro. Test, test, test. Amuse-toi bien de t'entendre. Oh, ça m'amuse. Ok. Ok. Dis quelque chose de difficile. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je règle le bordel là. Hein? Tu règles le bordel? D'accord, ouais. Et après, il faut que tu règles dans Discord. Bon, bah, je vais couper le stream. Hein. Changer de périphérique. Bien, bonjour à tous. Ah, il y a un coup de téléphone pour toi. Merci Wizball, n'oublie pas de lâcher un sub, de t'abonner, de follow. Et j'accepte aussi les tickets restaurants et les bons de réduction chez Carrefour Market. Merci de m'avoir... C'est tout noté, hein.